C'est toi qui as commencé cette guerre sainte. Nous, on va la finir. Suivez-moi. Ce sont des gens bien. Je connais Monsieur Hosseini depuis pas mal de temps, déjà. Est-ce que vous l'avez déjà vu avoir des comportements extrémistes? Comment? C'est un musulman. Alors vous entrez chez lui, sans mandat de perquisition, c'est de l'islamophobie. Accompagnez-moi. Il doit diriger une cellule terroriste ou un site internet de recrutement. Alors, je suis islamophobe. Il ne veut absolument plus me parler. Il sait ce que j'ai vu dans cette pièce. Et ça n'attire pas ton attention? C'est lui qui t'a dit « Va au Caire, va parler de ta foi ». Tu trouves pas ça étrange? Ne prends pas cet avion. Je te téléphone. Il est devenu viral au Moyen-Orient. Que vous prêchez aux musulmans? Ben en fait, j'ai été invité. Pas par moi, mec. Qui est là? Doug! Est-ce que tu m'entends? Il a déclenché un incident diplomatique. Vous nous cachez des informations? Il a été kidnappé. C'est du terrorisme. Tu te retrouves au milieu de nulle part. Et ça va pas changer. On est d'accord? Vous devez le sortir de là. Il s'en occupe, pas vrai? Le gouvernement. Aucune chance. L'époque d'Entebbe est révolue. Aux yeux du monde, t'es mort et enterré. Je peux pas l'abandonner. Il est ici, votre mari. Tu fais partie de la CIA et vous lui avez tendu un piège en sang. Il fait comme s'il ne s'était rien passé en Virginie. Vous avez essayé de me faire arrêter. Je suis venu demander qu'ils épargnent sa vie. Il est évident que vous êtes un espion américain. Vous voulez quoi? Je ne suis pas venu pour te voir mourir ici. On n'a pas peur de mourir. C'est pour ça qu'on va gagner. Je n'ai pas peur non plus.